Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour, vous le voyez, à Barry University. Les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain ont repris l'entraînement pour préparer au mieux le deuxième match de l'ICC du Paris Saint-Germain à disputer ce samedi à Orlando contre Tottenham. Une séance d'entraînement ouverte aux médias ce matin et que vous avez pu suivre en direct sur PSG TV. Après un long échauffement, les Rouges et Bleus ont pris part à une opposition sur terrain réduit sous la chaleur avant de terminer par un long passage en salle de musculation. Avant de poursuivre, un léger retour en arrière avec la présence de Josh Norman à Barry University hier jeudi. Le cornerback des Washington Redskins est venu saluer ses amis rouges et bleus qu'il s'est dit heureux d'accueillir enfin chez lui aux États-Unis. C'est vraiment super, ils m'ont dit de rester avec eux en salle, j'ai pu m'entraîner avec eux. C'est génial pour moi et j'observe beaucoup. Leur endurance va sans doute m'aider à progresser, j'essaye d'apprendre et de m'améliorer aussi dans mon sport grâce à ça. What I do as well. Comme nous vous l'avions annoncé hier, les joueurs se sont rendus à la résidence, le pop-up store Paris Saint-Germain de Miami et la galerie Castaignier pour une soirée d'ouverture exceptionnelle. Une soirée magnifique dans des lieux dédiés au Paris Saint-Germain et en présence de nombreux invités venus célébrer le club de la capitale au cœur de Miami. Thiago Silva, Yuri Berchiche et Dani Alves ont investi les lieux pour prendre part à ce grand moment. Muy bonito. C'est très sympa de venir dans des endroits comme celui-ci. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette œuvre. C'est sympa. Et chaque année qu'on vient ici, c'est une chose différente. Il fait du plaisir d'y arriver ici et de voir beaucoup de fans de Paris Saint-Germain. À chaque fois, ils sont plus. Et ça fait du plaisir parce que nous sommes là pour ça. Je pense que c'est une grande idée de transformer les choses d'un club de football en art. Je pense que c'est une superbe idée de transformer les couleurs et les symboles du club en art. Je crois que le football et l'art sont similaires. Le foot est un art. Et c'est vraiment génial d'avoir fait cette galerie. C'est très intelligent pour la part de ceux qui ont fait ce grand projet. Merci encore pour votre fidélité. Restez connectés avec le Paris Saint-Germain. Rendez-vous sur psg.fr et toutes les plateformes digitales officielles du club pour toutes les dernières actus. On se retrouve demain du côté d'Orlando. Salut à tous!